Salut, salut, salut tout le monde! Ici Sixel pour la première fois sur la chaîne de Retro Dragon Gaming France. Alors, pour ma première vidéo sur Hadron de RDG France, je vais vous faire un walkthrough sur Metro 2033, un excellent jeu. Oh, ça me surprend pas. Alors, on va tester. On va commencer, je veux dire. Oui. Et pour que ça soit plus marrant, on va faire en ranger difficile. Alors je sais, c'est peut-être pas ce qui est conseillé pour un walkthrough, mais vous inquiétez pas. Déjà, j'ai du ski, j'ai déjà fini le jeu deux fois. Et puis au cas où, je monterai. Hein. Vous voyez, vous êtes sur le point de commencer une partie de Metro 2033 en mode ranger difficile. Ce mode offre une expérience ultime et réservée aux joueurs expérimentés. Comme moi, quoi. Ultimation encore plus intense et réaliste en mode rangeur difficile, vous devez vous débrouiller sans ATH, astuce, ni réticule de visée. Les missions sont visibles uniquement dans l'arme sur votre carte. Le rap de mission est rare, les stacks ennemis sont plus violentes et dévastatrices. Vous ne survivrez pas. Eh bien, nous verrons cela. Le tunnel se refroidissait. Melnik et moi n'étions plus très loin de la surface. Bientôt, sous les hurlements du vent, nous allions devoir faire face. Quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon long voyage approchait, mais aurais-je le courage, la volonté d'y parvenir? Ouais, je sais, vous dites what the fuck, mais c'est normal, ça c'est un prologue. Hey, Artyom, quand t'as quitté ta station d'origine, pouvais-tu imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil, ne sachant pas si nous allions sauver notre monde, ou l'envoyer tout droit en enfer? Oula, quelques bugs. Il faut franchir l'avant-poste militaire pour rejoindre la surface, Arkham. Quelque chose bouge dans la pièce suivante. Ouvre la porte, je te couvre. Alors, j'ai oublié de dire, Metro 2033, c'est développé par les studios ukrainiens de Froy Games, qui ont aussi développé, qui est fait par quelques développeurs qui ont travaillé sur Stalker, et c'est édité par THQ. Il n'y a jamais rien qui marche par ici. Utilise ce système manuel pour ouvrir la porte. Ok. Artyom, ces caisses contiennent peut-être des munitions et des mini-packs. Prêt, Artyom? Allez, on sort. Et on saute. Ok, c'est parti. Aussi, je précise, Metro 2033, c'est un jeu qui est sorti en 2010 sur PC et Xbox 360. On dirait qu'il y a personne. J'aime pas trop avant ça, ça la surface. Oula. Mets ton masque à gaz, sinon tu tiendras pas debout très longtemps. On y est presque. C'est le théâtre Korolev. Il est très proche de la tour de télévision. Alors, ouais, niveau ambiance, c'est pas mal. Charge ton arme! Ils approchent! Ah, en mode ultra ici, ils sont pas bien costauds les monstres, hein. Si je précise, Metro 2033, oula putain. Artyom, aide-moi. Ça a été développé. Ça a été aussi adapté. Le jeu a été adapté d'un roman. Dimitri Grokrovski, je crois. Allons-y. Dans le nom de famille, je suis pas sûr, mais. D'un russe qui s'appelait Dimitri Grokrovski. Et le voici, Artyom. Notre but. Ouais, la tour de télévision. Terminé. Je reçois 5 sur 5, terminé. Nous sommes à la tour de télévision, je répète. Nous sommes à la tour de télévision. Le groupe a-t-il évacué, terminé. C'est bizarre cet écho. Affirmatif, contact établi. Il devrait être près de la tour de télévision à présent.
Terminé. Reçu. Nous vous recontacterons du haut de la tour de télévision. Vous pourrez calculer notre position. Terminé. Allons-y. Les autres doivent déjà y être. Oula, j'aime pas ça. Pas avoir des bugs graphiques. Ah, et les voici. Oh. Ah oui, les voilà. Pas mal le bugué. Bon, si, un peu moisi, mais bon. C'est plutôt pas mal dans un univers où tout est détruit. Content de vous voir, colonel. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Tous en cercle! En fait, j'ai oublié de vous dire, le 3033, ça se passe dans un univers post-apocalyptique, à Moscou, plus précisément dans le métro de Moscou. Surveillez vos arrières, les gars. Où il y a eu une guerre nucléaire, et donc il y a tout qui est pété et il y a des monstres. Après, je ne précise pas plus, hein, vous découvrirez par vous-même tout le long de ce roleplay. Ah, ça c'est bien, ils sont pas bien costauds les monstres. Ok, j'ai déjà plus de balles. Ah, oh putain, mais j'en ai marre. Ah, bug graphique, tout va. En tout cas, il déconne pas quand il disait qu'il y aurait peu de balles. Hein. Mais bon, heureusement déjà ils sont pas costauds. Oula. Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote. Ah. Ne touche pas à toi. Oh merde. Alors ça vous inquiétez pas, c'est. Ça fait partie du script. Je finis comme ça. La vie était dure dans les tunnels, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante, toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait sur la station. Je venais d'avoir 20 ans. Et jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la barricade. Alors ça, c'est vraiment le début du jeu, de l'histoire en fait. Là, le prologue, en fait, c'était une mission que vous ferez plus tard. Là, maintenant, on est en mode flashback, en fait. Par contre, j'aime pas, il y a des bugs graphiques. Faudrait que je règle ça. Je suis désolé de vous infliger cela. Ouh, merde. Ok. Ça va pas le faire s'il me faut un truc tout gris. Ça va pas du tout le faire. Mais pas du tout. Ah voilà, ça... Putain. Avec un beau petit morceau de guitare. Artyom, enfin réveillé, je vois. Hunter va arriver. Il doit avoir des nouvelles des autres stations. Bien. Vous savez quoi, je vais voir si je peux pas baisser la résolution. Parce que là, c'est horrible. Je vais seulement mettre en haut. Je pense que ça suffira. Alors, si c'est bien dans métro, vous pouvez. Métro 2033, vous pouvez interagir avec plein d'objets, hein, les lampes et tout.
Vous voyez, ils ont mis le métro, le vrai livre métro 2033 dont je vous parlais, le roman qui est adapté. Vous voyez, jouer de la guitare. Voilà, ils peuvent faire plein de trucs. Allons-y, Artyom. Bon, c'est assez scripté, assez nerveux comme jeu. Cochon, la maladie. J'ai vu pire et je vais pas abandonner. Mais c'est très. Oui, Nikolai. Bonjour, Artyom. Mais c'est très sympa. La station ne tiendra pas longtemps si ces attaques ne s'arrêtent pas. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oh, c'est ça. Bah déjà, ça a l'air de marcher mieux, là. Les sombres vont tous nous tuer. Nous verrons ce qu'en dit Hunter. Bah, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'au moins, même si c'est linéaire, vous avez quand même bien un univers bien construit et tout, c'est très sympa. Vous avez vu mon Sergei ? Bonjour, Artyom. Pas de panique. Une autre patrouille a été attaquée la nuit dernière. L'hôpital est plein. Oh mon dieu. Maman, c'est encore long. Allons-y, Artyom. Et Alexei ? Il était à l'avant-poste. Pas de visiteurs. Piotr ! Alexei y était. Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Non, capitaine, c'est vous. Il allait bien, mais j'espère qu'il est en vie. Et ben, oh, c'est vous. Je vous claque la porte au nez. Allez, Alex. Bonjour, Artyom. Ah, bonjour, truc mûche. Comment vont les blessés ? Pas d'amélioration. Ils vont pas bien. Deux sont bien. Morts ce matin. Ouais, effectivement, lui, il a pris cher. Ouh. Ils s'en prennent à l'esprit de leur victime. Ce qui, tôt ou tard, entraîne la mort. Ouais, lui, on dirait que c'est pas que l'esprit qui s'est fait défoncer, hein. Je peux pas y arriver. Ah là là. Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ? C'est le Père Noël. C'est Hunter. Les mutants ne frappent jamais. Ouvrez cette porte. C'est vrai que c'est un mutant. Pour la première fois, il frappe à la porte, en fait. Bon, là, c'est nickel, là. Juste baisser la qualité d'un petit peu, et ça marche bien. Bienvenue à VDNK, Hunter. Merci. Fermez cette porte. Ça faisait un bail, Hunter. Content de te voir, Alex. Bonjour, Artyom. Salut. Alors, Hunter. Qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur ? Pas grand-chose. J'entends surtout parler de VDNKH et des morts vivants dans vos tunnels. Artyom, j'ai rencontré un vendeur de vieilles cartes postales de New York. J'ai pensé à ton mur. Ah, c'est gentil. Passe-la-moi. Allez, donne-la. Ces créatures mutantes sont différentes. Ah, c'est gentil. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est pire encore ? La Statue de la Liberté. Les sombres. Bref. Quel qu'il soit, mon ordre a pour devise. Si l'adversaire est hostile, tue-le. Alerte intrus dans le conduit d'aération principal. Ils arrivent par en haut. Oh, merde. On n'avait pas besoin de ça. Il y a des blessés juste derrière le mur. Kirill, emmène ton groupe dans les tunnels. Hunter Alex, et moi... on doit rester ici et défendre le hall. Là. Très bien. Artyom, attrape vite une arme. Go. J'ai un ami qui parle. C'est pas le moment. Je vais faire un walk truth. Voilà. Bon, là, faut faire très gaffe niveau mission parce que vu la difficulté, il faut vraiment. Bon sang, ils s'aventurent jamais si loin dans la station. C'est l'hôpital. Ils sentent le sang. Faut vraiment les tuer en un coup, quoi. Le style, on avait deux gardes avant. Tu te demandes où ils sont passés. Vous attends. Ramenez-vous. Oh, je te laisse t'en occuper. Voilà. Comme ça, tu m'évites de gaspiller des balles. D'ailleurs, je n'utilise pas beaucoup de base. Oh, je pense qu'on peut tous se laisser faire. Les laisser faire, quoi. Bon, surtout que vous êtes assez efficace, donc. En fait, j'ai même pas besoin d'utiliser de balles. Et vous laissez faire vos amis à votre place. C'est sans espoir. Ah merde. Je vais peut-être essayer quand même que de les tuer au couteau, ce serait pas mal. Ah,
Oh. Ah. Bah, c'est bordélique. Meurs. Je vais te découper le cul. Putain, ça bug. Oula. Aïe. Non, non. Ah. Là, quand il y a beaucoup d'action, ça lag un peu. Bon, ça va, ils m'ont fait gaspiller que 2 balles. Artyom, ça va? Ouais, tranquille. Mais bien sûr. C'est un bon tireur, le petit. Ouais, tu parles, j'ai tiré que 2 balles. Oh non. Ah non, j'ai cru que ça buguait. Me faites pas de fausse manière comme ça. Juste les déchets habituels. Même si tu les vois pas, les sombres sont là. Leur arme, c'est la peur. Elle fait fuir les Nosalis comme des rats dans les tunnels. Les sombres sont pas de simples mutants, mais des Homo Novus, la prochaine étape de l'évolution. Tu connais la survie du plus fort? Bah devine, on a perdu. Qu'est-ce qui te prend, Alex? Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Tant que je suis en vie, je me battrai. Et j'emmènerai plusieurs de tes Homo Novus avec moi en enfer. Ça, c'est bien parlé. Tu te prends vraiment pour un cow-boy? Ouvre les yeux, Hunter. 10 soldats, entraînés au combat. Leur corps brisé, leur esprit perdu. Les sombres, ils ont détruit le poste de garde extérieur. Oh mon dieu. Il s'est fait arracher la gueule, lui, hein. Putain. Qui diable sait ce qui se passe là-bas, au-delà de votre périmètre? Je vais partir en reconnaissance. Écoute bien, Artyom. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, rends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik, et il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, Artyom. Je compte sur toi. Et c'est toute cette mission-là qui va vous faire traverser la moitié du métro. Cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends? Ouais, mais t'es chiant, là. Je dois tout faire moi tout seul. Alors là, ce qu'il y a écrit là en cyrillique, enfin en russe, il y a écrit Sparta. Oui, pour faire un style. C'est Sparta! Hunter n'est pas revenu. Pas évident de trouver une excuse pour quitter la station. Oula, et me rendre jusqu'à police. Mais j'avais donné ma parole. La caravane partait pour Riga le lendemain et il cherchait des gardes. Alors je me suis inscrit. Alors les gens, on va s'arrêter là. Je sais, vous avez juste droit au prologue, mais je tiens pas à faire une vidéo trop longue. Surtout que, voilà. C'était juste, je tenais à faire une vidéo pour vous. Vous avez le prologue, vous inquiétez pas, je ferai minimum au moins une vidéo par semaine pour la chaîne RDG France. Ou des fois, ça pourra, je pourrais aller même jusqu'à 3 par semaine. Après, on verra. Déjà, je vous laisse le prologue. Allez, ciao les gens. Regardez RDG France.